Mais enfin, qui es-tu? J'allais justement te poser la même question. Je suis le terrible Boubou. Alors ça m'étonnerait, c'est moi, Boubou le terrible. Oh non, c'est bien ma veine. Il y a deux monstres maintenant. Je ferais peut-être mieux d'appeler à l'aide. Allez, courage, Boubou! Montre-lui de quel bois tu te chauffes! Défends-toi, vas-y! Je suis avec toi, utilise ta droite! Laisse-le pas prendre l'avantage! Serre-toi de tes poings! Boubou, allez, vas-y! Ah, mais au fait, ils s'appellent tous les deux Boubou, ça va pas être facile de l'encourager. Il se passe quelque chose, on devrait aller voir! Inutile! Je sens la présence d'un nouvel individu à l'esprit maléfique, l'énergie qu'il dégage est immense, et je suis prêt à parier que cette créature représente tous les mauvais côtés du premier Boubou. C'est un peu la bataille du bien contre le mal. Boubou, vas-y, donne-lui le coup de grâce, il peut plus bouger, profite-en vite. Ça s'annonce mal. Boubou numéro 1 n'a aucune chance. Son jumeau a hérité de son potentiel énergétique. Ses pouvoirs se résument maintenant à quelques tours de magie. On a intérêt à se préparer au pire. Tiens, mon chéri, bois. Tu te sentiras beaucoup mieux après. Trunk, sans gantaine, mais qu'est-ce que vous attendez? Au travail! Hein? Quoi? Encore? On peut pas se reposer 5 minutes? On vient seulement d'arriver, j'ai des courbatures. Arrête de te faire du souci pour Boubou. T'as vu de quoi on était capable quand on est Gautrin? C'est ce que tu crois. Pourtant, vous avez encore beaucoup de progrès à faire. Vos réserves d'énergie sont insuffisantes et ce n'est pas le moment de vous reposer. Combien de fois devrais-je vous le répéter? Vous tenez le sort de l'humanité entre vos mains. Ça suffit, petit cœur. Je t'interdis de parler à mon fils sur ce ton. Non, mais pour qui est-ce que tu te prends? Tu en profites parce que Son Goku n'est pas là, c'est ça? Quoi? Mais pas du tout. Elle a raison. On en a assez. Au cas où tu l'aurais oublié, je te rappelle que ce sont des enfants et à cette heure-ci, mon fils a l'habitude de faire une sieste. Si tu les obliges à s'entraîner 24 heures sur 24, ils seront trop fatigués pour lever le petit doigt. Je te conseille de les laisser se reposer. Oh, bon, très bien. On n'a qu'à faire une pause, les garçons. Vous l'avez mérité. Mais on reprend l'entraînement dans 1 heure. Rendez-vous sur le parvis. Super! Je meurs de faim si on allait à la cuisine.